des souvenirs encore vivaces. Figurer parmi les premiers Mauriciens et être le premier Rodriguais à prendre part à des Jeux olympiques, ça laisse des traces. Les 3 semaines à Los Angeles pour les Olympiades de 1984 ont été pour lui une expérience d'une vie, un rêve devenu réalité. Chaque année, on allait, c'était un petit peu dans l'inconnu, rentre dans l'Amérique. À l'époque, quand on peut causer 84, ben, Maurice est encore loin derrière. Et nous nous retrouvons nous, dans un pays tout à fait moderne, et surtout moi, petit dans le groupe. Et ça me dépasse moi beaucoup. Moi, je restais dans un rêve, tous les jours, dans un rêve même. Et moi, le galoper aussi, moi aussi dans un rêve. Le rêve est devenu réalité avec comme toile de fond un travail assidu et acharné. Daniel André, une bête de travail qui n'a pas eu peur d'enchaîner les entraînements. Un travail qui a fini par payer. C'est un rêve avant tout, hein, un rêve qui devient une réalité parce qu'il m'a rêvé en 83 pour les Jeux Olympiques. Moi, m'a dit get compétition à Helsinki, le championnat du monde d'athlétisme, contre tout Carl Lewis, entre autres, puis participer et m'a dit rêvé. M'a dit un jour, m'a pour aller. Et mon travail, sans qu'il me connaît, à la fin de la journée, me pensais tous les efforts que je fais, l'île pays s'offre. Maintenant, au service de son île, Daniel André encadre les jeunes sportifs, mais aussi les jeunes entrepreneurs. Jetant un regard lucide sur le sport rodriguais, il se dit partisan d'un effort commun en vue d'encadrer au mieux les jeunes évoluant dans un environnement en pleine mutation. Le sport, il peut avancer et... Mais c'est vrai que si nous on vit à l'encore plus loin, il demande nous beaucoup de moyens, de facilités. Et qui patient à l'époque, c'est tout le temps, ben, patient ça, nous tu fais ça. Mais malheureusement, avec technologie, ben, les jeunes ont besoin d'autre chose. Je crois que nous devons pour justement permettre à ces jeunes d'avancer, donner d'autres ben, moyens qui patient à l'époque. Mais qui est capable, non, qui est non. Et il suffit de bonne volonté de chacun pour nous capables justement de faire sa banjana avancer. Pour moi, c'est le sport rodriguais, il y en a un avenir brillant. Des Jeux olympiques à l'encadrement des espoirs de l'athlétisme rodriguais, le chemin était tout tracé. Sur la piste synthétique de Camp du Roi, le travail continue pour accompagner ceux appelés à prendre sa succession.